Bonjour tout le monde, c'est Flanou, on se retrouve pour un nouveau Minecraft School. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à voter au dernier épisode et vous avez voté pour revoir Chigérel. Avant que je vous présente nos nouveaux élèves et l'épreuve qu'ils vont avoir à faire aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez voter pour l'élève que vous souhaitez revoir au prochain Minecraft School en fin d'épisode. C'est parti, let's go! Je vous présente aujourd'hui nos nouveaux élèves. Bonjour Charlotte. Salut. Alors, tu t'es fait un... Dis donc, sacré siège, hein. C'est presque une maison à l'intérieur de la classe, dis donc. Oui, t'as vu. En plus, tu m'avais dit que t'étais pas très forte pour le build, mais tu t'en es bien sortie. Merci. Par contre, je crois qu'ils ont tous ramené leurs animaux de compagnie aujourd'hui en classe. Je sais pas si c'est la journée de l'animal de compagnie ou quoi, mais bon, je sais pas trop si on va tolérer ça pour la prochaine fois. Hein. Oui, il va nous ramener des puces, ton chat, là. Miaou, fais-le. Il s'appelle comme ça, en plus. Ben, d'accord. Berlin, on lui dit rien, lui. Ah bah si, hein, Berlin, il n'y a pas le droit d'être là. Hein. Bonjour, monsieur. Bien le bonsoir, bonjour. Déclinez votre identité. Ben, Ibo, Imoche. Imoche, très bien, ça ira pour cet épisode. Ah mais... Mais vous aussi, vous avez ramené un élève de... un animal de compagnie, mais c'est quoi ça? C'est un poulpe. Oh, c'est juste que je suis allé acheter un poulpe ce matin. Ah d'accord. Acheter. T'achètes des poulpes comme ça, toi? Il faut bien que je le stocke quelque part. Ah oui, ok. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, j'autorise les animaux de compagnie. Mais au prochain épisode, ce sera pas le cas. Hein. Ok, très bien, Ibo. Bah dis donc, tu m'as ramené du gâteau. C'est pour la maîtresse, merci. Ah, merci. D'habitude, les élèves me ramènent des pommes. C'est un peu si plus... Si tu savais, c'était des gâteaux ou quoi. Je ferais même pas manger les trucs qui traînent sur les bureaux de mes élèves. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un gâteau fait avec des dédaines. Oh non. Non, c'est un gâteau pour les dédaines. C'est un gâteau pour les dédaines. Je n'ai pas mangé un gâteau fait en dédaines. Oh, mais si tu veux, j'ai d'autres surprises si tu non, veux. Non, merci, ça va très bien. Et toi? Oh mon dieu. Toc toc. Mais qui est là? Qui habite cette petite maison? C'est le petit cochon sauve-nappe. Bonjour petit cochon dans ta maison de briques. Ça ira d'éviter d'observer les objets que vous trouverez dans cette maison. C'est vraiment la maison du cochon là. Ceci n'est pas une cuisine cachée. Ah il s'est fait une cuisine. Alors du miel pour la gorge, des sucreries. Alors pas de sucreries en classe hein. Pommes volées à la prof. Ah bah voilà, je me demandais où étaient passées mes pommes. Ok, pour les dons. Pour grignoter. Ah oh, c'est mignon. Elle a pas vu la feuille, c'est bien. Pas vu quoi? Ah quoi, laisse-moi passer. J'arrive à rentrer dedans. Ah c'est bon. Attends, qu'est-ce que t'as écrit? Le siège des autres après. Pour prendre la place du prof. Ah, tu veux être professeur plus tard, Sauvenap? C'est pas du tout quelque chose pour voler votre classe. Ah, d'accord. Non mais tu peux être professeur, hein, tu sais, t'as le droit. Hein. Par contre, les antisèches, non. C'est pas... Non. Tiens, mais qu'est-ce que c'est cette tête-là? Vous devez reconnaître. Une tête de Stitch avec du Capri Sun. Animal dangereux qui dort. Bonjour Chi. T'es contente d'avoir doublé? Oui. Et elle a Berlin, ok. Ah ça... Quoi? Bah, Berlin est devenu noob. Madame? Oui. Il y a un problème avec Berlin. Bah oui, il y a un problème avec ton Berlin là, qu'est-ce qui y arrive? Je n'ai rien fait du tout, voyons. Ah, oh, Ibo, on renomme pas les animaux de compagnie de ses camarades, hein. C'est un pingouin. Ah, c'est un pingouin. Ah, c'est un pingouin. Et c'est un pingouin que j'ai tué à l'armée. Ah, mais... Ah non, mais tu l'as tué à l'armée, mais... Mais chi, t'as 5 ans, là, qu'est-ce que tu racontes? Et t'as des ours polaires là-dessous, mais qu'est-ce qui se passe dans cette école? C'est pas possible, hein. Non mais c'est vraiment les journées des animaux. Regardez leur nom, madame. Hein. Regardez leur nom, madame. Ouais, j'ai vu Pablo Picasso, puis l'autre Arthur Leroux, mais pourquoi Arthur Leroux? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. N'importe quoi, chi. Oh là là, elle va redoubler encore celle-là, c'est pas possible, hein. Elle a le cerveau gelé dans son igloo. Notre dernier élève, qui est en train de faire de la forge, je crois, là. Qui a amené aussi son animal de compagnie, Gizmo Kaka. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Takumi? Oui. Tu sais ce que je vais dire? Oui, vous allez appuyer sur F5 maintenant. J'ai perdu la casquette. J'ai perdu. Takumi? Oui. Tiens. Les couvre-chefs.
ne sont toujours pas tolérés dans la classe. Je ne fais que suivre votre exemple. Ah oui, pardon. Enlève. Ok, très bien. Bon, alors qu'est-ce que t'as, toi, sous ton siège? Parce qu'apparemment, aujourd'hui, c'est la mode, là. Les élèves, ils me font des tunnels. Une cloche. Ça te représente bien, ça, la cloche, dis donc. C'est ton portrait. C'est pas très gentil, ça, madame. Ouais, non, les autres, pas de commentaires, là. C'est votre hôtel qui est au-dessus, qui est ici. Ah ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que... Oh bah oui, dis donc, mais t'as tous tes sacs à dos ici. Il faudrait que tu penses à les ramener. Qu'est-ce que tu fais, là ? T'as ramené tes poissons de compagnie. Ok, très bien. Eh bah, dis donc, ça promet aujourd'hui, hein. Les animaux de compagnie de partout. Ibo, arrête de lancer des boules de neige. Je n'ai rien fait, pourtant. T'as une prod ? Tu vas... Bah, Ibo, au coin. Ibo, au coin, on répond pas à la maîtresse. Mais... Au non, coin, tout de suite, vous, viens. Ceci, Ibo, sors de là, viens. Viens, au coin. Pendant 5 minutes. D'accord. Tu te mets au coin, là, à côté de réponse. C'est de la lutte pour vous. Allez. Pour une fois, c'est Taku qui est gentil aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à savoir ce que vous allez faire aujourd'hui? J'ai peur. T'as l'œil, Ibo. Donc vous avez très bien fait, finalement, de ramener vos animaux de compagnie, et c'est pour ça que je les tolère aujourd'hui, puisque... Vous allez devoir construire une maison, genre la maison de vos rêves, pour les renards. Quoi? Oui. Avant ça, par contre. Alors, venez avec moi. Ibo, du coup, t'es levé du coin. Venez avec moi, suivez-moi. Ouais. Quoi? Donc, il y a ici une famille de renards roux et une famille de renards polaires. Donc, vous aurez le choix. Thème au choix. Donc, soit vous faites une maison pour les renards polaires, genre la plus belle maison, la meilleure maison pour eux, en prenant compte, bien sûr, de ce que aiment les renards, de quoi ils se nourrissent, quelles sont leurs habitudes. Vous serez donc noté sur 5 points pour l'aspect global de la maison et 5 autres points pour si c'est vraiment adapté à la famille de renards que vous avez choisi. En tout, vous serez noté sur 10. Et celui, du coup, qui a la meilleure note, celui ou ceux, hein, qui donneront, du coup, d'un gage dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui, qui est de la construction. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Vous aurez 30 minutes pour faire ça. Et après, à la fin, tour à tour, vous expliquerez votre construction et tout. Puis après, on rentrera en classe pour les notes. Tout le monde a son endroit, du coup? Ouais. Oui. Ok, oui. Bah, c'est parti, je lance le chrono. Taku ? Oui ? Kismo Kaka. Moi je vous espionne. Ah, elle est belle la vallée. Hein. C'est pas bien d'espionner les gens. Elle est grave belle la vallée. Là. Dans la vallée. Bon là si mes renards ils sauvent, chapeau. De plein nous, la 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 la. De Minecraft nous, la 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 la. Dans la vallée, oh. J'ai fait des maths toute l'année. Oh non, pitié, pas des maths. Et le ça ressemble grave à du sang. Surtout la soupe de betterave dans Minecraft, genre, on dirait, tu vois, un rituel. On dirait un bol rituel de sang. Ouais, on dirait un bol de sang. Rituel satanique. Genre, tu vois, hop, peur, je découpe chi et hop, je prends comme son sang. Comme dans la map à l'eau. Et je bois son sang comme ça. Ouais, je pense qu'on devrait voter pour un nouveau prof. Comme dans la map à l'eau. Non. Madame, dès que je vous tape. Quoi, je bois son sang. On écrit dans le chat pour qui on vote et puis voilà. T'as pas une force pour me taper, t'es anémié. Ouais. T'es parti. Je m'inspirais de ma chaise. Ah oh, oui, j'ai une trop bonne idée. Je m'inspirais de ma chaise pour faire une petite cabane. Pour les... Cabane pour les brocolis. Non, j'ai mais fait c'est sûr qu'ils vont s'enfuir là. Ah non, t'as mis des barrières, c'est ça? Oui, j'ai mis des barrières blocs tout autour. Ah ok. Imoche. Regardez un spécimen. Il s'appelle Imoche. Oui, c'est ce qu'elle me fait subir. Je couperai ça au montage. C'est qui avait besoin de vos items crème invisible? Moi, Imoche. Imoche. Attends, j'arrive, Ibo. 3 hours later. Du coup, vous avez terminé l'épreuve. Vous avez chacun choisi soit de faire une maison, enfin un domaine pour les renards polaires, soit pour les renards roux. Ça a été ou pas? Comment ça a été? Ça a été. J'ai eu une inspiration. C'était correct. J'ai trouvé un endroit qui m'a donné un peu d'inspiration. Nice. Les renards, ils m'ont attaqué.
On va visiter et chacun d'entre vous va avoir son petit temps pour expliquer ce que vous avez fait. Ensuite, on rentrera en classe, on fera les notes et après, celui ou celle qui a la meilleure note décidera d'un gage, donc dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui veut commencer ? Moi. Charlotte, tu veux commencer ? Il y a Taku qui donne du coca aux gens. Taku, remarque si vous n'avez pas goûté encore, vous pouvez goûter. Allez Charlotte, on te suit du coup. Tu vas nous expliquer ce que tu as fait. Quel type de renard tu as choisi, pourquoi tu l'as choisi et ce que tu as pris en compte. Allez, vas-y, raconte-nous. Alors, j'ai choisi le renard polaire. Ok. Parce que c'était un thème qui m'inspirait plus que les renards normaux. Mm-hmm. Et voilà. J'ai fait la tombe de cocotte aussi. Si ah oui, le perroquet cocotte. Même si c'est pas un renard, j'avais que ça comme tête. J'avais que ça en stock. J'ai fait des petites maisons dans le thème du demi-nether. Parce qu'il y a juste les trappes, les torches et les barrières. D'accord. Donc des petites maisons pour les renards. Et après, t'as mis de la glace et de la neige. Il y a même des renards qui dorment dedans ici. Oh, c'est trop mignon. C'est trop cute. Voilà. On peut le faire du patinage. Ok, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez du coup du domaine des renards polaires de Charlotte. T'as un nom à donner à ton domaine, Charlotte ? Chez Cocotte, voilà. Chez Cocotte, ok. Chez Cocotte. Chez Cocotte. Par Charlotte. Vous nous direz lequel vous avez préféré hein, dans les commentaires. Ok, t'as quelque chose à ajouter ? J'espère que vous aimez mon build. Bonne vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche. Voilà. Non, mais je parlais sur ton build, hein, mais oui, merci Charlotte. J'en peux pas te défendre. Du coup, au suivant, qui est-ce qui veut nous faire visiter son domaine ? Je peux me dévouer là pour. Ok, Ibo, c'est parti, on te suit. Ouh. Alors, Ibo, qui a choisi aussi, on devine les renards polaires. Il y a des bédaines séchées. Mais une maison, vraiment, ce n'est pas... Enfin, une maison pour des renards, j'ai pensé plus à une grande grotte à laquelle ils pourraient s'abriter pour dormir, manger, etc. Ils ont des baies, du feu de camp pour se réchauffer, aussi du saumon qui arrive par en haut. Oh, ils sont pas tous morts. Si, c'est ah oui, mais ils grimpent tes renards, là, du coup. Ils peuvent pas, ils peuvent pas nager, de base. Ah, ok. Enfin, là, il essaye, mais... Si, il y va, là, hein. Non, si, ton renard il est monté là. Hein. Il va faire une razzia de saumon. Hein. Et ben on va dire qu'il a très fort, on va dire. Bah, c'est un noob. Hein. Oh là là. Oui, mes renards ce sont tous des noobs. Il avait très faim, oui. Ok, donc une grotte château de glace avec des saumons. Tu l'appelles comment du coup ? Grotte des noobs renards peut-être ? Grotte des noobs renards. Hein. Très bien, donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, hein, de la grotte des noobs. Ok, prochain du coup. Moi. Somnap est volontaire, ok. Suivez-moi. Donc on rentre par ici, ok. Attends, qu'est-ce qu'il écrit ? Fermez parce que sinon il s'enfuit. Chez Somnap, gonna take a nap. Ok, je vais pas te fermer parce que sinon il s'enfuit et là c'est problématique. J'ai pensé tout de suite à faire un petit arbre parce que j'aime bien faire des petits arbres la plupart du temps quand je fais des petits builds de nature. Parce que je me suis dit c'est des renards donc franchement faire une maison ce sera pas forcément quelque chose de très utile. Mais je me suis dit quand même, vu que c'est pas forcément des polaires, si un jour il y a un intempérie, ils voudraient bien s'abriter. Du coup j'ai fait un petit abri quand même. Ah ouais, tu leur fais une petite maison. Quelque chose. Et s'il fait pas froid, mais qu'il y a un soleil qui tape, de quoi s'abriter du soleil. Ah ouais, ils ont un petit parasol, ok. Voilà, un peu d'eau, un peu de... Ibo en renard, il s'appelle Ibo, lui. Oui, il y a aussi un flanou, il y a aussi un sauvetage, oh, il y a aussi un takou. C'est trop mignon. Il y a aussi un takou, oh, renard. Ah oui, t'as un cochon chez toi. Ah oui, il y a un sauvetage. Alors, c'est pas censé être là, mais c'est pas grave, ça rajoute de la vie. Il y a aussi des abeilles. Cochons, hein. Ah oui, les abeilles, ouais. Ah, j'ai trouvé le takou. Voilà. Comme moi, ils se cachent. Donc là, ils ont à boire et ils ont à manger. De quoi de pas être trop dépaysé, comme s'ils pouvaient être dehors. Une petite cheminée pour pouvoir quand même avoir chaud, s'ils en ont. D'accord, ils ont le chauffage quand même. Voilà. Si la nuit, c'est froid. Ok, très bien. Comment tu l'appellerais, du coup, ton domaine des renards? La vallée de l'arbre. La vallée de l'arbre. Très bien. Taku essaye de donner son casque au renard.
La vallée de l'arbre par Sauvenap. Donc dites-nous hein, dans les commentaires. Oh, il y a Tapu qui a la casquette. C'est vrai? Oui. Ouais. J'ai réussi. Ton Tapu, il a... Ah oui, il a la casquette dans la bouche. J'ai réussi à lui donner. Bah dis donc, quel petit coquin celui-là. Il rentrera pas en classe par contre, hein, ce Tapu-là. Il prendra pas la casquette. Hein. Non, 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 t'iras pas en classe, toi. Hein? Petit renard. Ben oui, ils sont trop mignons. J'ai réussi à les donner, je suis content. J'aurais peut-être dû l'appeler la classe vu qu'il y a tous les élèves. Ah oui, c'est vrai, ouais, la classe des renards. Bon, tu peux changer si tu veux. Hein. Je vais l'appeler la classe des renards. La classe des renards, ok. Sauvenap, il change d'avis. Celui de Chi, donc c'est par ici. Oui. Alors, Chi, elle a fait une grotte. Il faut passer par en haut. Une grotte de renards polaires. Alors, raconte-nous. Oh, trop cute. Les renards polaires, ça vit comme il fait froid, ça peut vivre dans les grottes, comme la neige, c'est plutôt dans les montagnes et tout. Ouais. Du coup, j'ai fait une grotte dans le sol, comme j'ai vu beaucoup de reportages, et j'ai dit que la zone, elle était protégée par une association qui protège les animaux, du coup, la WWF. Oui, je crois que c'est ça. WWF, ouais. De toute façon, il y a le panneau. Donc il y a le panneau sur la ouais, grotte. Ouais, c'est tout à fait ça, t'as raison. Oui, du coup, j'aurais fait une petite grotte épaire avec de quoi manger, leur habitation naturelle autour, avec des sapins. J'aurais mis une cheminée un peu cachée, comme ça, ils peuvent pas mourir. Des petits mouillés avec de la laine, avec la couleur orange et blanche. Ouais. Et bah, c'est tout. Ok. Je sais pas si je vous ai dit. Et le bouton, il sert à rien, là, dans la grotte? Les boutons, c'est décoratif. D'accord, ok, c'est décoratif. Tu l'appellerais comment, alors, ta grotte? La famille Stitch en Antarctique. La famille Stitch Antarctique, ok. Antarctique. Excellent. Chi. Très bien, t'as quelque chose à ajouter, Chi? Les Stitch, c'est les meilleurs et Ibo, je te mange. Mais j'ai rien fait. Ok, merci. Tout le monde en veut, Ibo. Il nous reste plus du coup qu'un seul domaine des renards à visiter, c'est celui de Tapu. Tapu qui s'est un petit peu éloigné, donc on va le suivre. Moi je suis parti là où il n'y avait pas grand monde. Ah, il est parti dans les montagnes. Par là-bas. À la base, je voulais pas faire de clôture autour, mais quand j'ai su qu'il fallait pas qu'il s'enfuit, j'en ai mis une. Ok. Parce que pour moi, les renards. C'est pas censé être fermé. C'est un animal sauvage qui a besoin de sa liberté. Ok. C'est pour ça, j'ai d'ailleurs pensé que... la même idée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de mur du tout. D'accord. J'ai juste fait des toits pour qu'il puisse s'abriter, avec un coin un peu chaud pour pouvoir se réchauffer en cas de besoin. D'accord. Et on voit qu'ils aiment quand même vachement bien les abris. Ouais, ils dorment bien. Hein. Ça ronfle, ouais. Ça ronfle. Hein. Lui, après, il est au coin du feu. Après, vu qu'ils ont besoin d'un peu de... de verdure, d'arbres pour s'abriter. Et j'ai fait des petits jeux d'éveil. Ah. Avec. Oh là là, le pauvre lapin. Et il y en a un peu partout pour qu'il puisse. Attends, fais voir, t'en as mis où ? Ah oui, d'accord. Il y a attrape-poulet, ok. C'est aléatoire ce qu'il y a dedans. D'accord. Ils ont oh là là, ils se ramènent tous, dis donc. Et pour l'été, et ça, c'est pour quand quoi ils ont chaud, ils ont un petit coin d'eau et pour boire aussi. Ah, d'accord. Au milieu. Ah oui, d'accord. Ok. Tu l'appellerais comment, du coup, ton endroit, là? La nature. La nature. Ok. Par Tapu. Bon, maintenant que vous avez tout vu, dites-nous dans les commentaires lequel vous avez préféré. Et quant à nous, on va retourner en classe pour passer aux notes. Et voir du coup qui est-ce qui choisira mon gage. C'est parti. Gizmo, va à ta place là, va avec ton maître. Purée, viens sur mon bureau, dégage. Je veux pas des chats, je suis allergique au poil des chats. Merci. Je veux pas le pas sur le bureau. Alors, du coup, c'est maintenant l'heure de passer aux notes. Les élèves vont être notés de 0 à 5 sur, premièrement, l'aspect général de leur construction. Et les 5 autres points sont sur est-ce que ça répond aux besoins de d'une famille de renards? Est-ce que c'est assez. Est-ce que ça répond à tous leurs besoins au niveau de la nourriture, au niveau de leurs habitudes, etc. C'est parti? Vous êtes prêts pour les notes?
du peur. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de points en moins. Incroyable quand même. Je crois que j'ai été super gentille aujourd'hui. Il y a Ibo qui a levé mon choix. Ibo, tu veux un point en moins, c'est le moment. Mais je n'ai rien fait. Ok. Je suis resté à ma place. Mm-hmm. Il s'est levé tout seul. Et du poulet dans ma cuisine, si vous voulez. Eh ben Ibo, on va commencer par toi, c'est parfait. Alors, Ibo, pour l'aspect général, j'ai trouvé que ton build était très esthétique. Le fait que tu aies rajouté cette espèce de tour de glace, on dirait vraiment un château plus qu'une grotte pour les renards. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je te mets sur ça un 5. Score parfait pour moi. Pour ce qui est de la réponse aux besoins des renards, j'ai trouvé que malheureusement, malgré son aspect magnifique, ton build manquait de nourriture et d'eau et un petit peu d'endroits. Bon, quoique t'avais une famille de renards assez petite, t'avais que 3 renards, mais il manquait quand même un peu d'espace pour s'abriter puisque les renards dorment le jour et vivent la nuit. Donc pour cela, je te mets un 2. Voilà, Ibo, un commentaire ? Non, pas de commentaire. Ok. Pour ce qui est de Chi, qui nous a fait du coup une grotte antarctique famille de Stitch, là, hein. Regardez là, elle est derrière son pupitre, là. Il y a que sa petite tête qui dépasse. Madame, il y a quelqu'un qui a cassé les notes. Oh non, cassez pas les notes. Après, moi, je vais pas m'en rappeler, hein. Je mets 0 à tout le monde si vous cassez les notes. Ah non, Ibo, t'arrête. Mais ce n'est absolument pas moi. Alors, Chi, pour l'aspect global, l'entrée, je la trouve un peu brouillon. T'aurais pu travailler un petit peu plus pour ce qui est de l'entrée de ta grotte. Sinon, l'intérieur de la grotte était vraiment très très bien, quoique manquant un petit peu d'espace. Mais sinon, l'aspect global était plutôt bien, si ce n'est que je l'ai trouvé un peu petit au vu du temps que vous aviez. Et comme j'ai dit juste avant, l'entrée était un peu difficile. Donc pour ça, je te mets un 3. Oh, j'avais mis un 2 et Ibo en plus. Pas mis un 3. Ensuite, pour ce qui est de l'adaptation aux renards. Malheureusement, Chi, tu n'as pas donné d'eau à tes renards. Ils vont sécher. Et on arrête avec la cloche, merci. Où la donné? Non, t'avais pas mis de l'eau. Il y a de l'eau dehors. Si, l'eau, je l'ai mis dehors. Ah, tu l'as mis dehors. Les notes, okay. Les notes. Le 2 de Ibo, il est plus là. Ok, Ibo, ça devient un 0. Mais c'était pas lui. Non, mais même ce qui disparaît, je vous ai dit, ça devient des zéros. Donc. Mais c'était ta coup. Mais c'était non, mais ta coup. Là, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Tout ce qui disparaît, ça va devenir des zéros. Mais c'était ta coup. Donc maintenant, voilà, hein, après, vous les jouez. Moi aussi, je joue. Hein. Depuis avant, je suis immobile, donc. Bah, tu as des snowballs dans ton inventaire. Ok. Donc, Chi, je même disais. Donc, ouais, l'eau, tu l'as mis à l'extérieur. Bah, du coup, j'avais pas trop vu. Donc, je te mets un 3. Alors, Charlotte, pour l'aspect extérieur, j'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon, c'est-à-dire que c'était pas vraiment bien organisé. Il y avait 2 maisons d'un côté, mais tout le reste, il y avait des baies un petit peu partout. Mais sinon, l'aspect global était sympathique. Je pense que t'as manqué de temps, ou du moins, tu n'as pas su gérer ton temps pour créer davantage de maisons. Donc, je te mets un 3. Pour ce qui est des maisons, c'est très bien. Malheureusement, bah, encore une fois, manque de temps, mauvaise gestion de ton temps. Et t'as pas pu en faire plus pour abriter tes petits renards. Et il n'y avait pas d'eau pour les renards. Ils boivent quoi, les renards? Beaucoup de nourriture, beaucoup de baies, mais pas d'eau du tout. Je voulais faire un petit lac, mais j'ai préféré prioriser les maisons. Donc je te mets un 2. La même note que Ibo, au secours. Ibo, il a eu 0 à cause de toi, donc 1. Mais c'est pas moi. Ouais. C'était ta couille, non. Si vous êtes sage, je remettrai le 2. Si vous êtes sage. Ça faisait pas ta place. Qui est-ce qui a enlevé? Ok, c'est un 0. Non, mais là, vous avez intérêt de sage, parce que je vais tous vous mettre 0. Hein. Mais c'est pas moi. Et puis, il le fait exprès juste pour manger des points. C'est toi qui est là, ouais, c'est qui? Ensuite, c'est au tour de Sauvenap. Sauvenap, en termes de design, de le visuel global, j'ai trouvé ça vraiment très bien organisé. Je pense que tu es un élève, ça se voit, qui a plutôt l'habitude de construire, qui aime ça. C'était très harmonieux et bien équilibré. Donc du coup, je te mets un 5. On arrête avec les boules de neige. Charlotte, au coin. Charlotte, je te mets 0.
Charlotte, je te mets 0. Voilà, moi je me venge des autres. Charlotte, je te mets 0. Ah, elle m'a retiré mon 5, Charlotte. Tu bouges plus. Je me venge des autres, voilà. Bah, c'est toi qui l'as fait sur Ibo, hein. C'est toi qui a commencé, hein. Mais non, c'était pas moi, c'était Taku. C'est pas Taku. Aussi ? Taku, je le crois s'il dit que c'est pas lui, je le crois parce qu'il est honnête. C'est pas moi, j'ai même mis un screen que... comme quoi j'avais pas de boule de neige. Oh, alors, ça, donc Sovnap a un 5 pour la réalisation. Mais Taku, il vient, il m'ennuie. Taku, à ta place. Je vais pas rigoler, là. C'est quoi ce chat? Ah oui, ok, c'est le tien. Je croyais que c'était un autre. Je croyais qu'il avait changé de couleur. Mais... ma maîtresse, ça voit pas clair. Donc, pour ce qui est de... est-ce que ton domaine, ta maison, répond aux besoins des renards? Je dirais que oui, si ce n'est que l'endroit pour s'abriter était un peu petit au vu du nombre de renards que tu avais. Donc je te mets un 4. Passons maintenant à Takumi. Takumi qui a fait du coup un truc dans la montagne. Pour ce qui est de l'aspect général, j'ai trouvé que ça manquait un peu de décoration, de couleur, un peu de vie. Si ce n'est que c'était quand même assez grand et que tu as certainement aussi dû manquer un peu de temps. Du coup je te mets un 3 pour l'aspect général. Pour ce qui est de savoir si ça répond ou non aux besoins des renards, j'ai trouvé que tu étais celui qui était le plus proche de leurs besoins. Petit bémol sur l'eau, j'ai trouvé que la source d'eau était un peu petite. Mais pour ce qui est des animaux, etc., de l'entraînement, de la chasse, ça j'ai trouvé ça génial, le concept de faire que les renards chassent eux-mêmes leur nourriture, et c'est pas toi qui les nourris directement. Donc pour ça, je te mets... un 5, même si, petit bémol, la source d'eau, petite. Charlotte, tu retournes à ta place. Allez, je remets les notes comme elles étaient. Du coup, on va passer au total. Ibo, 5 plus 2. 7. Madame, il y a Sovnap derrière. Sovnap à ta place. Moi. Mais madame, je... Sovnap 1. Je suis mieux. Quoi? J'ai même pas commencé à compter, il est parti comme une fusée. Alors, chi... Ah, pardon. Oh mince, j'ai mis 8. Attends. La maîtresse, madame, a... c'est trop bon. Elle a des problèmes pour compter, la maîtresse. Mais pourquoi? Vous êtes fatiguée, madame. Charlotte, 3 plus 2. 5. Très bien, 5. Hop. Sovnap, combien font 5 plus 4? 9, une 9, presque 10 quand même, hein. Non, quoi? C'est pas presque 10. C'est quoi la réponse, Sovnap? 9. Mais c'est très proche de 10. Oui, mais c'est 9. Chi. 3 plus... oh là 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 là. C'est pas chi, ça, c'était quoi? Oh, mais vraiment, là, la concentration, elle est partie en vacances, hein. Ah, j'arrive pas à parler. Bah, Taku, il a left the game. Taku, 3 plus 5. Madame, il me pêche. Sovnap, tu lèveras la main au lieu de... d'interrompre tout le monde. Taku, tu me disais, ça fait combien? 8. 8, très bien. C'est ça, hein, les autres, hein, vous vérifiez, hein. Oui, madame. Ok, du coup, Ibo obtient 7, Chi obtient 6, Charlotte obtient 5, Sovnap obtient 9, oh là là, et Taku obtient 8. Bravo à tous. Du coup, c'est Sovnap qui va choisir mon gage. Donc, je le rappelle, dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui, tu peux choisir de te faire aider ou non de tes camarades, hein, c'est toi qui décides. Tout le monde venait m'aider, j'ai pas d'idée. Et voilà, tout le monde venait m'aider dans ma cuisine. Je vous laisse réfléchir. Oui, dire. Tout le monde venait m'aider dans ma cuisine. Ils vont faire une réunion et tout. Vous avez choisi tous ensemble? Oui. Un quel sauce je vais te manger? Oui, alors, je prends juste ce qu'il me faut. Alors, voilà. Dis-moi alors. Tout. Ton chat est dans le mur là, t'as coup. Vous allez, maîtresse, vous allez devoir du coup faire une maison que les renards vont détester. Oh, vous allez devoir, attendez, c'est pas fini, du coup utiliser ce bloc bien visible, bien visible. Vous allez devoir l'utiliser au moins une fois bien visible, mais ça va devoir quand même être, oh, ça va quand même devoir ressembler à quelque chose. D'accord.
m'avait imposé de build avec ce bloc-ci, donc je l'ai utilisé en pilier et également sur le toit pour qu'il soit quand même assez visible, même de loin, je pense qu'on le rate pas, hein, clairement. Ouais. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de faire une genre de petite maison, mais au final, ça s'est transformé plutôt en espèce d'échoppe. Pourquoi pas même un restaurant, vous voyez, où on peut s'asseoir en fait ici et commander à manger, et voilà, la bouffe apparaît de façon magique. Dans un tunnel. Grâce au pouvoir des coraux. Les renards qui commandent à manger, quand même. Grâce au pouvoir des coraux. En fait, c'est un temple-restaurant, voilà, du dragon. Premier, du coup, sur 5, ils m'ont noté au niveau du build, donc de la construction, qualité de la construction. Et le deuxième critère de vote noté sur 5, c'est est-ce que ça repousse les renards ou non, parce que j'étais censé faire un truc que les renards aiment pas. La qualité de construction, c'est si elle a bien aussi utilisé l'utilisation du bloc dont elle devait utiliser. Thibaut, le premier qui m'a noté, dis-moi combien tu m'as noté. Eh bien, 4 pour le premier, pour le bulle. Moi, je trouve que c'était vraiment bien respecté et tout. C'était très stylé. Mais justement, en conséquence, le fait que c'est trop stylé, je trouve que... En vrai, ça ne ferait pas vraiment fuir. Je trouve que c'est vraiment adapté pour que ça accueille des renards, justement. Le truc de resto et tout. Un total de 7, quand même. Ouais ! Merci. Moi, je t'ai mis 6. Pourquoi ? Pourquoi tu m'as mis 6 ? Parce que, en gros, la construction, même si, en gros, les renards, ils sont... ils restent dedans. Mais sauf que la construction dirait plus en bar. Bah oui, mais ça, de toute façon, je faisais ce que je voulais au niveau de la construction. Oui, mais t'as fait un bar. Bah y'a alors. Bah c'est en bar, quoi. Bah y'a alors. Le but, c'est que ça repousse les renards, mais que les renards peuvent quand même venir un peu. Mais qu'est-ce que c'est que les renards, ils aiment pas aller au bar. T'en sais rien, hein. C'est quoi dire. Ok, bon bah chier ma missus. Bon, ça va, c'est plutôt une bonne note. Au moins, j'ai au-dessus de la moyenne. C'est à qui le tour à Charlotte. Tu as mis combien? 5 parce que je trouvais que c'était bien fait, mais j'ai mis 4 parce que je trouvais que les renards ils aimaient trop. Donc voilà. Oh, t'as été généreuse, hein, merci. Sauvenap, tu as mis combien? Attends, tu me mets dans la tenue de l'école pour le faire. Oh my god, ça y est, il va faire le prof là, il en peut plus. Alors, j'ai mis du coup 5 parce que bah la build il était quand même beau, c'était bien respecté, il y avait quand même le bloc imposé qui était bien utilisé. Ouais. Mais d'accord, ça a été utilisé pour les poutres et sur le toit, même si on avait dit que tu pouvais l'utiliser qu'une seule fois si tu voulais. Ouais. Donc t'aurais pu faire un build qui aurait pu être autre couleur que tout violet et rose. Ouais, mais j'ai joué le jeu. Par contre, j'ai mis que 4 pour le repousse. Il y a, à part les Wither Flower, il y a pas vraiment quelque chose qui va les faire peur. C'est vrai. Il y a juste rien qui peut les accueillir, il y a rien qui va les faire peur, mais il y a rien pour les accueillir, c'est tout. Du coup, voilà. Ah, c'est pour ça que tu m'as mis 4. D'accord, merci. Voilà. Pour l'utilisation du bloc, tout en gardant un build potable, je trouvais que ça allait bien dans le thème. On voyait bien le bloc des différents angles. Ok. Donc 5 là-dessus. Par contre, pour ce qui est de repousser les renards, il n'y a pas de nourriture, un point. Oui. Il n'y a pas d'eau, accessible directement par le renard, un point. Oui. Mais quand j'ai fait le test du renard qui s'enfuit ou pas, il est quand même resté autour. Et il y allait se mettre à l'abri. Gros, parce qu'ils sont restés, t'as pas bon. Donc, c'est pas ma faute, j'aime trop les renards, c'est pas ma faute. J'ai ensuite fait le test de la fleur Wither. Oui. J'en ai posé un dessus, il a bien aimé, il est resté. Donc, ce qui repoussait les renards, il doit bien aimer souffrir. Donc un petit 2. Donc un 7 au total. Pour un total de 7. Oh là là, j'ai eu des trop bonnes notes là. Je suis une bonne élève. Ouais, ça me fait combien en moyenne? Donc 7, 8, 6. Ouais, moi je me mets 7. Au pire, on arrondit à 8, non? Parce que 7, non. C'est presque 8. Non, on descend à 7. Non. Mais je sais pas faire les virgules. Bon, bah d'accord, 7. Bon, au lieu d'arrondir, on va tromper. Elle est où, réponse? Il y a le chat qui s'incruste. Oh, je suis allergique, ne mets pas trop près de moi, s'il te plaît. Et voilà, c'est
déjà la fin de cet épisode où on aura fait de magnifiques constructions spéciales pour les renards. Bon, même si mon gage c'était de faire un truc qui repousse les renards, franchement j'ai pas pu m'en empêcher, j'aime trop les renards, donc voilà. Si vous partagez notre amour des renards, mettez un like en dessous de la vidéo. Et puis, je vous le rappelle, votez dans les commentaires, je vais mettre un commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Et vous m'écrivez du coup le nom de l'élève que vous voulez revoir au prochain épisode. Soit Sovnap, soit Ibo, soit Charlotte, soit Chi ou soit Taku. Mais Taku, c'est pas la peine de le mettre parce qu'en vrai, il s'incruste tout le temps, donc voilà. Si vous voulez que Sovnap devienne prof dans un épisode de Minecraft School, écrivez « Je veux que Sovnap soit prof dans un épisode de Minecraft School, s'il te plaît, Flanou, merci cordialement. » Voilà. Vous écrivez ça dans les commentaires. Du coup, on se retrouve prochainement en vidéo et en live. Mes très chers élèves, je vous souhaite une très bonne soirée. Ramenez bien vos animaux à la maison, ils seront pas acceptés au prochain épisode. Et je vous fais plein de bisous à tous. Bye bye, au revoir tout le monde. Au revoir. Achoum, achoum, il y a des chats partout, je suis allergique. Achoum, 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 achoum. Ah oui, ils vont ranger la classe. Exceptionnel, merci. Mais je vais vous aider à ranger.